On ira ensemble vers ce nouvel ordre mondial. Et personne, je dis bien, personne ne pourra s'y opposer. En ce moment, on va de plus en plus vers une dictature. Ça soulève le problème de la liberté de choisir. Je crois que notre génération doit savoir que la bête de l'événement est là. Il est temps de travailler ensemble à l'avènement d'un nouvel ordre mondial. Nous utiliserons notre pouvoir pour les rendre dociles aux faibles. Ils grandiront en étant déprimés. Nous parlons de cet homme blessé lors d'une manifestation samedi dernier. Il a vraisemblablement été visé par un tir de LBD. Nous utiliserons la peur comme notre arme. Je manifeste pour que chacun puisse librement décider en conscience qu'est-ce qu'il décide pour sa santé. Nous créerons des médicaments qui les rendront encore plus malades et qui causeront d'autres maladies. Nous mettrons en place un système monétaire qui les fera prisonniers pour toujours. Je vous salue dans le nom de Jésus-Christ. Bienvenue à notre étude du livre de Daniel. Nous sommes au chapitre 11 et nous engageons le 40e jusqu'au 45e verset. Daniel voit venir la fin du monde, troisième partie. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je vous prie de vous abonner, de liker. Et si l'Éternel a mis un message dans votre cœur pour nous, vous pouvez nous le transmettre par les différents canaux que vous connaissez, WhatsApp, Facebook, YouTube, Instagram. Et bien sûr, notre numéro de téléphone et notre mail contact@allianceeternelle.com. Bienvenue à tous. Nous prions. Notre Père qui est dans les cieux, nous te remercions pour la grâce que tu nous donnes de pouvoir comprendre les événements de la fin. Et nous te prions de nous émerveiller, de nous subjuguer, de nous réveiller de telle façon que cette parole tombe sur de la bonne terre. Père éternel, merci de nous accompagner par ton esprit au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Daniel voit venir la fin du monde, troisième partie. La dernière fois, nous nous sommes arrêtés au verset 39 et bien évidemment, nous continuons au verset 40. Alors que dans ces versets, nous avons vu le roi du nord et le roi du sud, nous essayons d'entrer plus en profondeur car ce sont les cinq derniers versets qui concernent effectivement notre temps. Nous allons voir l'application de l'histoire sur la Bible, ou du moins de la Bible sur l'histoire. Nous lisons le verset 40 de Daniel 11. Au temps de la fin, le roi du Midi se heurtera contre lui et le roi du Septentrion fondra sur lui comme une tempête avec des chars et des cavaliers et avec de nombreux navires. Il s'avancera dans les terres, se répandra comme un torrent qui débordera. Nous rappelons comment l'ange parla à Daniel. Et à plusieurs reprises, au commencement du chapitre, du roi du nord et du roi du sud, nous avons vu que ces puissances sont les nations qui devaient gouverner les parties nord et sud de ce que fut l'empire d'Alexandre le Grand. La raison évidente pour laquelle le Seigneur s'est étendu en détail sur les guerres obscures et les conquêtes innombrables des rois du nord et du sud au début du chapitre est qu'il voulait étayer et fortifier notre foi au-delà de tout doute en ce qui concerne l'accomplissement de la partie finale de cette prophétie. L'Égypte est demeurée le roi du sud et la Turquie occupa pendant des centaines d'années le territoire qui établit précédemment celui du roi du nord. La prophétie de ce chapitre est jusqu'ici la plus inhabituelle du livre de Daniel ou de l'Apocalypse parce que littéral, il n'y a ni bête symbolique,
ni autre figure, et les mots de l'ange ont un sens direct et littéral. Nous avons pu contempler, comme sur un écran d'un immense cinéma, le cours des événements de l'histoire se déroulant devant nos yeux. Aucune indication ne montre qu'à partir de maintenant, l'ange désire que Daniel comprenne le roi du Nord et le roi du Sud d'une autre manière qu'au début du chapitre 4. Si nous admettons que l'ange continue à utiliser le même langage clair comme du verset 1 au verset 39, nous pouvons en déduire qu'une guerre aura lieu au temps de la fin, soit vers 1798. Cette guerre doit opposer très précisément et spécialement le roi dont il est question au verset 36 et 39 et le roi du Sud qui se heurtera contre lui, le roi du Nord, l'attaquera violemment comme une tempête. Le livre de Daniel fut scellé jusqu'au temps de la fin. Dès le début du 1er siècle, naquit un grand mouvement religieux qui rechercha la signification des prophéties de Daniel, et cela dans de nombreux pays. De celui-ci est sorti un mouvement mondial proclamant la seconde venue du Christ, que le livre de Daniel a dépeint. Voici comment les pionniers de la découverte prophétique comprirent en général cette prophétie. La guerre de 1798, qui éclata entre le roi du Sud, l'Égypte, qui avait continué d'exister pendant ces millénaires, la France, le roi du verset 36, et la Turquie, qui occupait le territoire compris dans la partie nord de l'ancien empire d'Alexandre, fut considérée comme l'accomplissement de cette prédiction. Napoléon, estimant que les Égyptiens avaient commis de graves outrages contre la France, décida de leur faire la guerre. Avec son génie militaire particulier, il menaça de conquérir l'Égypte tout en provoquant le sultan de Turquie à combattre du côté des Égyptiens. Le 2 septembre 1798, le sultan de Turquie déclara la guerre à la France. Les Anglais se joignirent aux Turcs et avec leur flotte forte de nombreux navires, ils contraignirent Napoléon à battre en retraite pour la première fois de sa carrière. Pourquoi ces détails de l'histoire, apparemment sans importance, ont-ils été retenus par la parole de Dieu avec une attention toute particulière? La raison est que les événements clôturant le chapitre sont d'une importance vitale pour nous et Dieu désire que nous soyons sûrs de les comprendre. Il semblerait que l'expression « il se répandra comme un torrent » et débordera fasse allusion à la campagne victorieuse de l'armée turque qui repoussa les Français en Égypte en 1799. Au verset 41, la Bible déclare « Il entrera dans le plus beau des pays et plusieurs succomberont, mais Édom, Moab et les principaux des enfants d'Ammon seront délivrés de sa main. » Le plus beau des pays est une expression qui paraît ne pouvoir s'appliquer qu'à la terre natale de Daniel. La Palestine, lieu de résidence du peuple de Dieu à cette époque. En 1800-1801, la Turquie, aidée par les forces britanniques, envahit la Palestine dans le but de repousser les forces françaises et égyptiennes vers le sud. Il faut remarquer que les nations modernes occupèrent les anciens territoires des Édomites, des Moabites, mais que les Ammonites échappèrent à ce moment-là au pillage et à la destruction des forces turques. Un fervent étudiant de la Bible déclara « Il y a presque 100 ans que ce fait intéressant, comme une marque sur son front, identifiait à jamais la Turquie comme le roi du Nord. » Le verset 42 et 45 de Daniel 11, il est écrit « Il étendra sa main sur divers pays et le pays d'Égypte n'échappera point. Il se rendra maître des trésors d'or et d'argent et de toutes les choses précieuses de l'Égypte. Les Libyens et les Éthiopiens seront à sa suite. Des nouvelles de l'Orient viendront l'effrayer et il partira avec une grande fureur pour détruire et exterminer des multitudes. Il dressera les tentes de son palais entre les mers vers la glorieuse et sainte montagne. Puis il arrivera à la fin sans que personne ne lui soit en aide. » En 1801, les Égyptiens étaient impatients de se libérer de l'emprise turque. Mais dans une série de batailles qui eurent lieu en Égypte, les Turcs aidés des Anglais réussirent à chasser les Français et à reconquérir l'Égypte
comme l'une de leurs provinces. Les paroles de l'ange, le pays d'Égypte n'échappera point, se sont donc ainsi accomplies par les événements de 1801, juste après le commencement du temps de la fin. Après sa conquête, le sultan de Turquie permit aux Égyptiens de réorganiser leur propre gouvernement, mais il exigea d'eux un tribut annuel d'or, d'argent, de 600 mesures de blé et de 400 000 d'orge. Les Libyens, les Éthiopiens, les Arabes du Moyen-Orient recherchèrent alors l'amitié des Turcs. Certains commentateurs de la Bible comprennent que les nouvelles de l'Orient et du Septentrion qui troublèrent le roi du Nord furent la provocation de la Russie et de la Perse, pays situés au nord et à l'est de la Turquie, qui aboutit à la guerre de Crimée de 1853 à 1855 et à la guerre russo-turque de 1877. La Turquie, bien que faible, se défendit avec rage et combattit férocement. Mais elle n'était pas de taille à affronter la puissante Russie. Il sembla que la Turquie était alors arrivée à sa fin. Mais l'Angleterre et la France volèrent à son secours et la Russie fut contrainte de se replier. De ce temps, la Turquie est considérée comme le malade du Proche-Orient, car elle est artificiellement soutenue par les grandes puissances d'Europe et d'Amérique qui ne veulent pas la voir tomber sous l'emprise russe. Les nations savent plus que jamais auparavant que la clé de voûte de la domination universelle se trouve au Moyen-Orient. Les hommes qui étudiaient la parole de Dieu tinrent pour imminence la possibilité de la bataille d'Armageddon, le dernier grand conflit terrestre mentionné dans Apocalypse 16, verset 16. Dans les années qui suivirent la guerre russo-turque de 1877, cela révèle véritablement du miracle que la Turquie ait pu garder son indépendance qui ne tient cependant qu'à un fil échappant de justesse à la destruction pendant les deux guerres mondiales alors qu'elle était gravement menacée. Quelque chose empêcha l'explosion du combat final. Il ne fait aucun doute que toutes les conditions étaient remplies durant la deuxième moitié du 19e siècle pour qu'arrive la fin de l'histoire de la Terre et le retour glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Une seule chose empêcha l'accomplissement final de la prophétie de Daniel. Le peuple de Dieu n'était pas prêt. Tu n'es pas prêt. Nous ne sommes pas prêts. Ceux qui se disaient être les serviteurs du Seigneur n'étaient pas prêts pour sa venue. S'ils étaient arrivés à ce moment-là, beaucoup auraient été perdus. Pour être sauvés, ces serviteurs doivent apprendre en premier lieu le secret de la victoire sur le péché dans leur vie. Ils doivent refléter parfaitement l'image glorieuse du caractère pur et parfait de Jésus-Christ. La Bible dit, dans 2 Pierre 3, le verset 9, « Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers nous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. » Depuis le moment où les anges ont retardé le déclenchement de la bataille d'Armageddon, le Saint-Esprit a travaillé avec puissance. Des milliers de personnes qui se trouvaient jadis dans les ténèbres du paganisme et de la superstition se réjouissent maintenant dans la connaissance du Sauveur de tous les hommes. Quelle grâce précieuse que le temps présent. Combien devrions-nous remercier Dieu de ce que le verset 45 n'est pas encore accompli. Car lorsqu'il le sera, les événements de la fin mentionnés dans le chapitre 12 se dérouleront immédiatement et la possibilité de rechercher le Seigneur pour être sauvé sera passée à jamais. Lorsque le roi du Nord arrivera à la fin, sans que personne lui soit en aide, le Christ, notre grand souverain sacrificateur appelé Michaël par l'ange, laissera de côté son œuvre de sauveur pour se préparer à venir rapidement comme roi des rois et Seigneur des seigneurs. Il sera alors décrété du ciel que celui qui est injuste soit encore injuste et que le juste pratique encore la justice. Apocalypse 22, verset 11. Jusqu'à ce jour fatidique, les hommes observent avec anxiété les combats du monde, tandis que les serviteurs du Seigneur attendent le moment où leur grand souverain sacrificateur qui est dans les cieux interviendra. Alors que nous sommes en train
de clôturer ce livre. Le Saint-Esprit de Dieu intercède auprès de vous, auprès de moi. La Bible dit dans Hébreux 3, le verset 7 à 8, « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. » Hébreux 3, le verset 7 à 8. Pourquoi ne pas lui demander aujourd'hui de vous accepter comme son enfant repentant? Quelle joie de passer de la mort à la vie, d'être admis au sein du peuple de Dieu, d'être en sécurité dans le creux de sa main. Alors que nous allons au-devant des événements terribles qui vont marquer la fin de l'histoire du monde. Seigneur, nous avons compris que les paroles données par l'ange à Daniel décrivent ce dont nous sommes témoins dans le monde d'aujourd'hui. Fous et méchants. Nos cœurs sont touchés et émus tandis que nous comprenons que toutes les choses terrestres arrivent bientôt à leur fin. Ô Dieu de miséricorde, tu as attendu seulement pour que ton peuple puisse trouver en Jésus son vrai sauveur, qui le délivre complètement de l'orgueil et du péché. Seigneur, puisses-tu ne pas attendre en vain. Nous nous donnons dès à présent à toi, alors que le soleil se couche dans le ciel de l'Occident. Écris nos noms dans ton livre de vie. Nous t'en prions au nom de Jésus-Christ. Mesdames et messieurs, frères et sœurs, que le Seigneur nous vienne en aide à ce que nous puissions réformer nos vies par la repentance et par la pratique réelle de l'Évangile, tous autant que nous sommes, de passer véritablement par la puissance du Saint-Esprit de la mort à la vie éternelle. Car la Bible dit que les temps de feu ont été préparés pour Satan et ses anges. En d'autres termes, aucun de nous ne devrait y participer. Que le Seigneur vous bénisse et nous nous retrouverons pour le chapitre 12 et clôturer le livre de Daniel. La paix soit avec vous et à très bientôt. Au revoir. Éternité.